D'études le 13, hein? Voilà le 13, parce que Coupe d'Europe est au Bandalobi, hein? Le 14, donc le 13 juin 2014, Bolimbisa, mon cousin Robeta Dibakouté, les abongo prévu examen à Tenasopto, Bana Oyo, il y a deuxième secondaire, Babandi, Tenasopte, les abongo, le 13, na lobby, vendredi, le 14. Merci beaucoup et bonne chance à tous les élèves. Il y a bien avant, il y a deuxième, hein, deuxième secondaire, hein, après comment au bas 8e, bas 9e, comment quoi en brébisso. Donc, bonne chance à tous les élèves à deuxième secondaire. Lelo Babandi, examen à Bango et à Tenasopt. Donc, pour ma quota na humanité. Donc, les abonnés Lelo na lobby vendredi. Alors, bisous au Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Ici, Bandi, amis téléspectateurs. Encore une fois, na pesibino mbote bipay biso bozu di baku ya kolanda biso bozona na biso sur YouTube en direct, bozona na biso sur analogie, sur TNT, sur Easy, sur Nini Soso, à part Easy, sur BlueSat, bozona na biso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Batata ba mama bandeko ndeketolo bakato fungoli Santiago Bernabeu to fungoli Camp Nou. Mouillons les maillots, mais évitons de confondre vitesse et précipitation. Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde, c'est du lundi jusqu'au samedi de 9h15 à 10h40-45. Toza Nabino, Batata, Bamama, Bandeko, Nabandeli, Toza, en direct. Depuis Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo. Merci, amis téléspectateurs. Rubrique joyeux anniversaire. Entre-temps, merci à cette équipe technique pilotée, coordonnée par Mike Kamwaka et Gimpoutou, le grand maestro, le sélectionneur français Didier Deschamps. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire. Veyambata, Mwana ya Barumbu, Mwana ya Maman Marie Kembi. Maman Marie Kembi, napesi yo mbote mingi na veni Kitega. Na commune ya Barumbu, maman na fait ambata, maman Marie Kembi, na zoe bisabino, sokoza na problème ya nzoto, problème ya mukongo, ata ozana mikila bapaya, benga kaka fait ambata mona Barumbu, opese ba kordone na yo, aokene, otinde loko na yo, ba oke pa maman Marie Kembi, ba kosolo ba kisa bo koko, ba kotinde la yo, oko bonga yo, moko ko benga, robinde ko zulu, ozara na raison, hein? Na epsibino bobenga ka ave ambata mona Barumbu ube obengi numero za na se maika mo kana na bimisi numero ya ngote. Alors bobengi numero ya Canal Presse La Liga bokozo a Didier Deschamps, voilà numero ya mwana bokozo a Didier Deschamps Gimpoutou ako passe bino fe ambata mwana ya Barumbu bokomona ni mama Marie Kembi ako soigner yo yo mgoro ba ah ne ko zulu ozala ki na raison. Mama Marie Kembi na pesu mbote depuis avenue Kitega na commune ya Barumbu. Ozama kasi mama na kisa bokoko na pesi yombote. Joyeux anniversaire na madame Fifi Baseka depuis la commune de Kalamu na quartier Yolo mbotama elamu na yo mama Fifi Baseka de la part de Samson Ilunga mwana ya Kasai. Joyeux anniversaire mama Fifi Baseka mbula moko ibaki sami na bambula
Oyo ozalaka na yango nzambe abatela yo makasi mama Fifi Baseka et de la part ya Samson Ilunga mama Fifi Baseka encore une fois joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi Richie Matomina, monteur en chef ya CCTV de la part de Rudy Louadio. Une photo zate. Oh là 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 là, Rishi Matomina, photo balobi za réduit retard. Bon, ce que vous avez photo na boye bisangai, comme ça, trop le bango na photo. Entre temps, joyeux anniversaire na Rishi Matomina, monteur à chef ya CCTV de la part de Rodi Louadio. Soki oyebike, yope obotama mukulu, yango o nga na zo leka na télévision, tinda kombo na yo, tinda age na yo, o komi. Tina photo na yo na numéro oyo hein na numéro oyo et que quoi ya pa ya Didier Deschamps ba koya na ngoto souhaiter ba joyeux anniversaire sokoza na numéro ya Vea Mbata mona Barumbo sokoza na numéro ya Samson Ilunga sokoza na numéro te maika moka lingane mama wa joyeux anniversaire te bon sokoza peka na numéro ya pomkolo msoza na posa nango sokoza na numéro ya maika mwaka otindi ba koto souhaiter yo joyeux anniversaire mais mingi mingi tina na numéro oyo za na c'est parce que numéro za WhatsApp WhatsApp est comme déjà ko sala otini numéro oyo gi pourtant ko ya nango to ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire pour émission eza bino eza nango o feleo to zo senga mbongo teo boke no panza biso sango te o po ba souhaiter joyeux anniversaire na le meilleur championnat du monde ba senga kambongo lokuta ba senga kambongo te eza nango o fele Bukanga numéro o ezana se ba etando ike bo tinda ba photo na bino ba kombo na bino to ko souhaiter bino joyeux anniversaire mbote na molani monene ya liga Canal Press le Boukoumès est compétent et l'unificateur de la commune de Njidi il s'appelle Papimbumba Ngalema Papimbumba Ngalema le Boukoumès est le plus compétent de tous les boukoumestres de la ville province de Kinshasa. Il s'appelle Papi Mbumba Ngalema, Boukoumès et Angili, de la part de Rodi Louadio, le grand cascadeur. Voilà, est-ce que photo y a Richie Matomina yé? Soke yé te, moi, je passe. Alors, joyeux anniversaire. Na Richie Matomina, monteur en chef, y a CCTV, de la part de Rodi Louadio. Et zo ou me la pono robima, Richie Matomina, voilà, yé wana, Richie Matomina, joyeux anniversaire. Richie Matomina, joyeux anniversaire à toi. Mbula moko e bagisami. Oh, naibie. Mbula moko e bagisami na mbula. Oyo, ozalaka na yango. Richie Matomina, joyeux anniversaire. Merci. Naba o bazona dabiso, na pesimbote na Igoboze. Igoboze, Igoboze. Igoboze le plus fort. L'homme qui colonise la Belgique, il s'appelle Igoboze. Qui me suit depuis la Belgique? Igoboze na pesio mbote 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 mingi mbote na honorable Félix Bosekota Félix Bosekota écolo mon cher de la Tchapa le député national élu massivement na Boéné il s'appelle Félix Bosekota écolo mon cher de la Tchapa le député national nous salam alam on a parlé du peuple Honorable Félix Bosekota, écolo mon cher, le député national élu massivement à Boéné, il s'appelle Honorable Félix Bosekota, écolo mon cher de la Tchapa. Amis téléspectateurs, je crois que tu annonces déjà, vous avez belé, vous avez tout n'a pas de Kozulu, vous avez tout Coupard Bola, naïbsa qui binoke Coupard Bola, a sala qui accident, mais Nzambe a sali, a zoka qui vraiment ma kasi na lokolo, Nzambe a sali, Coupard Bola, yewana bozomona, mi konjoli a kene kota la e lobi na boutou, Coupard Bola siko ça va, moi lokolo, a wana pota bomoni, e komi koka wuka, donc Nzambe a zo sala, yazi doga tuka e zala ki penza pasi, mais siko yo, ça va, mais pour ta zan ango na chevi wana, ezo ka wukame, ezo ko tindaye penza te atambola, tambola, penza mwa mingi,
mais avec ma soin à Zozoa, je crois que ça ira parce que tout le monde a coupé par bol. Pour que comme on a moi, je suis là, je suis coupé par bol. Les caméramens, Yabiso et Canal Kinawa, je suis là, en bonne santé, Kalate, nous avons tout ça là. À cause de la canal King Télévision, pour que de bozomona ezalaki penza pote ya munene asalaka accident mais sikoyo grâce na ba soin oya zozoa pote bandi ko kauka kauka mais nsola yina na butalobi mkubwa eloko moko ezo bomanga ezalinde oyo pote ezana chevi pour na tambola mwa mingi ezo pesa mwa mobulu donc na zozo ba soin pote akute sa l'effort effort esele makasi pote akute kauki mwa mke et donc c'est bon bomoni. Donc, par rapport à Ewana, nous avons besoin de talaye, amis téléspectateurs, parce que Bino Bolanda a bissé la libanda ya Yamboka, Boutunaki, Bosengaki, Bobi, tout le monde attaque par rapport là, Toyoka Kelisusute, Ewana, Zana en convalescence, il est encore à la maison, chez lui à Yolo, Azawana, Ti, Penza, le Koleko Kauka, nous avons par rapport là, à Rosong et la bissé à Awa. Donc, ce qui peut. Mon thème est tout yo. On s'appelle la Ghana. Musala coupar bol la salaga. Tuébi kaka. On contacte Ndeko Zulu. Tuébi nengi tu sala. On a zalé qui n'abisso un petit tellement respect, calme, humble. Mon amour a bien Musala naé bien. Mais coupar bol là aux autres langai naébi so qui déjà que caméra esa déjà esos c'est la ra yo ya. Esa complet. Et ça, c'est la gare, il y a eu un mot, mais il y a calamité, coupard bol, on va te retrouver. Il y a là, après c'est bien beau, après c'est téléspectateur, il y a le meilleur championnat du monde, coupard bol, après c'est bien beau, mingi, à l'obi calamité, ça, c'est la bino de Tapota et Kaukanam. Merci, Mike Kamouak. Alors, mbote, namolani monen et aliga, maître Kofi Ayembe, depuis ma tongue, oh, maître Kofi, nasola en direct, na tche télévision batu batonde bele awa na matonge bazolanda le meilleur championnat du monde voilà émission na yo soki batu banda kangwe bele te lokola match tu dois te remettre en question fomi tuna est-ce que nazo sala musala malamu to nazo sala musala malamu te liga balanda kangwe tv moko batu bele bazolanda le meilleur championnat du monde la Liga Canal Presse merci na Stéphane Tungwa Ozona Nabiso depuis Isiro. Oh Stéphane Tunga depuis Isiro. Ozona Nabiso. Merci. Na Joël Ramazani depuis Belgique. Merci Joël Ramazani. Merci na Hérité Kalala. Ozona Nabiso. Merci na Gis Lombaye, le sage de la Belgique qui nous suit. Merci beaucoup. Chesko Mvula. Chesko Mvula. Au fête anniversaire. Na Zuita Moulanga 20. Ah Chesko Mvula. Likambute. Marc Olenga. Azana Maroc. Oh, alobi bana Maroc na ambassade ya RDC na Maroc ba tie TV. Ba tondi na ambassade ya RDC na Maroc bazolanda le meilleur championnat du monde. Florian Chris Gwekala Lebo depuis Brazzaville. Merci beaucoup. Floribea Kabila Forever ana na biso depuis Matonge na ndaku. Bana Brazzaville. Borobaki bozoti une invitation na ibosa la rapide pour mikoletrali ya kotanga boti na invitation to beta tour na Brazzaville to se pele sabino na Brazzaville et ça la bien Ferry Kibo Dilunga depuis Québec na Canada azola na biso merci beaucoup boza ebele je ne saurais pas citer tous les noms amis téléspectateurs boza ebele Pedro Luvambo Emmanuel Kapanga depuis Australie Tegra Unia depuis Paris, Bozaï Bele Bande Konangai, Dav Maluti, merci, Bozolanda Bisso, MC Musungu, salut Canal Presse La Ligue, le meilleur championnat du monde, Ben Johnson, Mubalu, merci beaucoup, merci. Élisée Tcherou, Ndekozulu Nazolanda depuis Kampala, na Ouganda, merci, Andy Loanda, voilà, on a besoin depuis Israël. Merci. Mbote, na bana nyonso ya Kaluka. Bana nyonso ya Kaluka, na pese bino mbote mingi. Pe mbote, na bana nyonso tout ya quartier Jamaïque. Na pese bino mbote, sans oublier, bana nyonso ya komini ya Selembao. Selembao kala mingi te, na pese bino mbote mingi. Mbote,
mbote mingi. Alors, la succession Maïfouila est abongo au centre d'une bataille judiciaire. Qu'est-ce qui se passe dans la succession Maïfouila dans la commune ya Limete, Jojo Mutomba Kitaki, Mike Kamwaka, image. Au droit et compte de M. Maïfouila Katami Freddy et Mme Maïfouila Ekonzo Nadine, leurs avocats conseils ont déposé un mémo au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete afin d'éclairer l'opinion quant au conflit qui existe entre les enfants biologiques du défunt Maïfouila André et Madame Mongu Bompoukou Yvonne. Dans ces mémos, les avocats conseils ont fait savoir au procureur, Madame Mongu s'est fait confectionner frauduleusement des pièces en faisant de fausses déclarations devant l'officier de l'état civil de la commune de Kinshasa, citant comme témoin Madame Maïfouila Thérèse, la fille du défunt, qui a dû saisir l'autorité municipale à contestation pour n'avoir jamais comparu et signé devant comme témoin. Ils ont entrepris plusieurs démarches auprès du conservateur, sollicitant la suspension de toutes les démarches effectuées par leur mère visant le morcellement et la vente de leur maison. Celles-ci sont demeurées lettres mortes et sans effet à l'égard du conservateur de titres immobiliers délimités car il est impliqué dans cette entreprise criminelle. Pour rappel, Madame Mongu Bompouka Yvonne, âgée de 83 ans, a été condamnée par le tribunal de paix de Kinshasa Gombe, un jugement coulé en force des choses jugées pour tentative de stéléonate de la parcelle 6 numéro 568 de l'avenue Zénias, quartier résidentiel commune délimitée, appartenant au fait Papa Maïfouila. Voilà que malgré la condamnation de cette vieille maman de troisième âge, elle a vendu la moitié de cette parcelle à $305,000 américains auprès de M. Beleshaï Kassanda. Celui-ci s'est permis de déguerpir la locataire Jackie Wallo sans aucun document, seulement avec un groupe de Kuluna se faisant passer pour les combattants. En dehors de cette unique parcelle qui restait dans cette succession, Madame Mongu n'est pas à son premier forfait, a déjà vendu deux autres parcelles appartenant à la succession, celle des routes Matadi, quartier Pigeon, dans la commune d'Engalema et au quartier Kan, dans la commune de Barumbu. Voilà, merci Maïka Mwagazwina. Alors, Salon Celino de London, Salon Celino de London, Urubi Kupar Bola Abunga Malamu, mais Salon Celino, Kupar Bola Zanandakwa, Yebiga Masolo, Ndenge Zalaga Kupar Bola Zanandako, hein, et c'est un moi motivation, Anna, et Salaka, bien mingi, bonjour, Standard Comedy, Standard Comedy. Ce qui est au PES à la Ezali Po Balandaka émission. Si vous le rappelez, tout le temps, comme standard comédie, au Sepeli. Ligue Ezali, Bajou, Bazalagi, Nanouna, Bana Vester, y a Santiago Barnabeu. Bazola Tababoutine, Bazola Tababa, Bazo Changer Bavarez, tout ça. Ligue Ali, un standard comédie, n'a pas si on bote. Pour la mono, ça qui a besoin. Il y a Batanga Kombona, on a tangi Kombona, standard comédie, na peso mbote. Bosa ebele, bosa on a biso depuis Yaoundé na Cameroun, Maker Mundu yu Mambu, merci beaucoup. Salon Celino de London, Kuparbo la Zanandako, Outo landa image, Salon Celino, na London, yo yebikak, Ndenge Zalak. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Alors, serrez vos ceintures maintenant, on va décoller. Le CG du parti politique Ekolo. Voilà. Mbangi, Mbote CG. Mbote. Jacob Mbangi. Merci. Merci pour l'invitation. Mbote Ndeko Zulu, Mbote na bakongo mani nyoso, oyo baparanga ni mokili mobimba. Na pesi Mbote na ngai pa ba écoliste nyoso. Donc les partis politiques écolo oto ba bongo les partis de ma génération, les partis de ta génération, les partis de notre génération. Oui, Kambami Bongo na le président national, le président Chris Mukendi, Kabemba, na pesie bambote, bipo yon swazali. Je pense que le débat d'aujourd'hui sera républicain, Karande Tolobaka. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, ami
téléspectateurs. Alors, on va prendre le deuxième invité, émission Alléluia Zabongo, Farafara, émission Alléluia Zabongo, Farafara, Lady Ndombe, au côté déjà Lady Ndombe, au côté déjà, nous avons des polémiques dans les réseaux sociaux, Lady Ndombe, au côté déjà, Lady Ndombe, c'est dans mon nom au côté. Nous avons des réseaux sociaux. Bana ipen son ezali maika moka bana ipen balobi son ezama mobulu samso ilunga bofungola son bien bana ipen bazo réclamer pour bata la bayo kabia. Alors CG ya parti politique ekolo ndeko na ngambangi le CG akozala lelo en face ya un très bon joueur maintenant comme ça nous bozo tunanga Yves Badjoko. Yves Badjoko azali, je crois cette semaine ou bien début de la semaine prochaine, Didier Deschamps au Salatou a récupéré. Hein? Yves Badjo Kazali. Football comprenant qu'il va inviter ça tellement ébélé. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde à la fin. Maître Nico Mahengele, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation de Kozoul. Je suis là. Boni Martin Fayoulou. Ah, le président Fayoulou a très 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 bien. Tu vas aller à la réunion lobby. Tu vas continuer. Ma discussion est en interne puisque bientôt là, la convention à la Mouka, il faut se tenir et puis tu peux lever grandes options pour réorienter notre élite et toi adaptant au danger actuel, il est très très bien et la Mouka ils ont avec le prof Kalele qui en est le coordonnateur. En tout cas le président va très bien. Voilà, alors tout cas une première thématique. Nini to retenir na discours programme ya premier ministre a-t-elle convaincu ou pas? Première thématique ya wana mena voyez sabino que lelo ya de remise et reprise à travers tous les ministères. J'ai un programme ya tous les ministères oyo ba ministre asika ba koti na ba oyo ba permité bango oyo ba tika na ba poste na bango ba ko sala remise et reprise te. Mais oyo ba permité ye a ko sala remise et reprise oyo pe à longue, il faut aïa ou à côté de l'année remise et reprise. Donc, vous voyez déjà que tous les ministères, dans ce RO déjà, remise et reprise, c'est bandit dans le ministère déjà, parce que nous sommes en retard. On a attendu 6 mois pour le gouvernement Ebima, et puis le gouvernement a été investi tard dans la journée de mercredi jusqu'à 2h20 la plénière et à l'Assemblée nationale. Il faudrait que le ministre puisse commencer le travail. En tout cas, les lots, tous les ministres, le VPM, tous les ministres délégués, tous les ministres d'État et tous les ministres vont procéder à la remise et reprise. Lobby, et ça les maquille déjà, la primature, Mama Judith Touluka, Azu et Bongaya Sama, Lukonde, c'était au terme d'une cérémonie, il y a remise et reprise, je crois, à 19h, dans le journal, à Canal qui télévision, Bokolanga, Yango. Alors, CG, est-ce que Maman Premier ministre a-t-elle convaincu ou pas? Merci beaucoup pour la question, mais avant tout, Tikana Lobéana, nos situations Moko. J'ai été saisi ce matin na avenue Ekila, croisement Ekila Koulambombo, na Ipen, Kolo Hotel Enjoy Palace. J'aurais appris que Zana Général Moko Azo Sala Commerce Naye et Azo. Ça en sorte que les habitants sont venus à la maison, pas si ils sont. Donc, il y a une remorque qui est là. Donc, tous les jours, la remorque est là pour nous faire un déchargement. Et ce qui pose un sérieux problème, n'est-ce pas, pour la circulation. Alors, ici, je viens dénoncer, je suis en train de me poser la question ce qui peut être généraux, comme ça, le commerce. Donc, il y a un biscuit qui est là, il y a un biscuit. Alors, concernant le discours, il y a Madame Soumina, ce qui est convaincre Bisso ou pas, c'est ça votre question. Écoutez, je pense que actuellement, les locaux congolais ont vraiment discuté. Parce que les discours Bisso yon sotolanda qui yango, Oyobongo a soulevé 6 piliers. 6 piliers wana, ezali basé na 52 axes. Et puis, ils ont prévu 326 actions. Ce que nous, en tant que parti politique et écolo, et ça, qui est quand même bien, ils allaient côté à diversification et à l'économie. Pourquoi ça, qui est bien?
Ndeko Zulu, vous savez, mboka na biso secteur o ezala makasi ezali bongo secteur minier. Secteur minier ezo contribuer na trésor public à peu près 90%. Mais le véritable problème ya secteur minier zalini, c'est aussi le secteur à problème. Alors, secteur à problème on a ezo sala ke économie na biso ezo zala vraiment solide vraiment te. Pourquoi? Parce que il y a une économie qui est beaucoup plus extravertie. Alors, bisoto se pela ki parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les projets, n'est-ce pas, il y a parti politique qui est colo, ou ils ont mettre bon agriculture à Nézerg, tout le monde qui est tenu compte, n'est-ce pas, dans le secteur, on a bon affectation, et il y a 6%. Mais ce n'est pas que vous affectez 6% pour que bisoto le banon, écoutez, nous sommes en face, il y a un soleil austérite. Non, non. Bisso, en tant que parti politique écolo, toujours c'est la réalisation. Parce que c'est à partir de la réalisation, c'est alors que nous allons nous dire, écoutez, promesse ou bien discours au Premier ministre Asalaki, ils ont corroboré, n'est-ce pas, la réalisation sur le terrain. Parce que le problème avec la réalisation, c'est la ranine. Et le Kalibosso, le programme Iwana, ils allaient baser dans 50 accès d'une manière liminaire. Chaque département ou chaque ministère, bako zabongo programme wana, bako memayango na ba politique publique, n'est-ce pas? Oh, chaque ministère bako sala. Et en vertu de la politique publique wana, et ko sala en sorte, n'est-ce pas, que tout le monde a ba réalisation nango. Mais biso sikoyo tozo banga ndo to 30 na biso za makasi par rapport à réalisation. Parce que vous savez, la réduction des trains de vie des institutions, c'est un débat où il faut tout mettre en haut en exergue. Pourquoi nous disons ça? Est-ce que vous savez que l'année passée, par exemple, il y a eu à peu près 1 milliard, qui d'un milliard aux acquis affectés dans l'agriculture. Mais vous savez, 1 milliard, c'est ça la kinine. À peu près 20% ou 30% à 1 milliard on a ekindaki pour régler que les frais de fonctionnement de l'institution. Ce que nous nous trouvons exorbitant. Au moment où on a dit papier duplicateur, boy, papier duplicateur, on te dira papier duplicateur, ça fait 1 milliard. Donc, biso, en tant que école, pour ne pas trop monopoliser la parole, toyamba ki discours wana, nous quand même ba bénéfice des doutes, parce que nous ne voulons pas ici. N'est-ce pas, que dans la méthodologie moko, il y a qu'on réfuter les programmes, ça ce n'est pas, n'est-ce pas, notre souhait, parce que vous savez, toujours soutenir bon mokonzi amboka, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, tout soutenir le programme wana ou ezali qui présentait, mais crainte n'a biso beaucoup plus ezali par rapport à la réalisation. Voilà pourquoi, la réalisation wana, toujours l'ingake ezala, vraiment, vraiment, respecter et que casting au basali bato bakozala wana basala en sorte n'est-ce pas que exécution ya programme wana n'est-ce pas est rencontré désirata la population parce que les défis sont énormes. Au jour d'aujourd'hui la population bazo zela, voyez-vous, tozu par exemple sur le plan économique population zela, le pouvoir d'achat aujourd'hui tozu zela, sur le plan sécuritaire même pas à l'est du pays mais aussi ici à Kinshasa, parce que vous savez, l'insécurité urbaine, ils ont posé un sérieux problème. Donc, Bisso, Tozali, Tozo Zélandais, réalisation, c'est à ce moment-là que nous allons, n'est-ce pas, revenir pour émettre nos points de vue quant à ça. Merci beaucoup. Alors, il faut donner aussi la chance à maman, parce qu'elle a bandit déjà Moussala, attendons, tout le monde a eu na Moussala, convaincu ou pas, dans le discours de maman, Premier ministre. Maître Nico Maïngé. Merci beaucoup, mon ami Kazoulou. Biscuit. Tant on a joué à Benga na place Bandeko ya marché Bayaka. Lac, moi, et Salé Miona, Babengango, et Diye, Lina, Missi, Makutano. Lac, Ndele, Panzani, Ande. Alors que toi, on est langa. Moi, je suis tout le monde. Lac, Liboso, Pende, Anini, marché Bayaka. Nakoué à Venin, Jombo. Menga cabinet zana. Qu'est-ce que faut nous sortir le téléphone et l'absolument. Tenons filmer l'image prochaine. Voilà. Donc bah toi marché Bayaka, bah bengi au plus de 10. Ami sakimi au Leganzela wana. Makutan. Akomi au kota Birmanie Toshaba. Edi yeli akimi. Parce que on est à Sosa. Boulevard à Sosa na ko ya Nzombo,
na bolafa. Donc zélé zaté. Parce que tu as bloqué par courant. Parce que tu as été comme un bende bloqué par courant. Là où est-ce que tu as place ton opinion zélé zaté. Tu es sorti. Bah ben ouais mais Eddie Yen, Amisi, Bana Yangiringoto. Bah les caravanes elles sont sortis. C'est pas normal. Et ça m'a l'air mingité. On a vu si Daniel Bumba ou Bautu investir. Bah mais quand même que ça la mise à la place. On a avant que Bato ya Bayaka va tomber parce que. C'est quoi après la remise de prix. Donc il faut pas ça là. Il faut pas ça le plus vite possible. Nous avons un débat, maman JDT, Premier ministre Toulouka, a sali discours, on a eu bien au programme du gouvernement. En réalité, le programme du gouvernement est un ensemble de mesures ou des projets coordonnés et soutenus financièrement afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ça le programme du gouvernement. Mais, Kolandae, on a sali discours, mon boué, abracadabrantesque, beau, mais incohérent, même moto, a sali bosson, on a une déco. Il y a parti à mon ami Chris Mukendi, il est mort à son tata banazoué, il a coûté quoi aligner l'objectif. Oui, dans un pays en guerre, au cours d'un débat au thé, Nabilo Kolobiana, il faut éviter cette sorte de mimétisme. Donc, aux reproduire Bilo Koloko la téléchargeur qui est en cause. Il y a malin mingité. Olobi qui est voilà. Il a parlé comme Toulouka, la première des six axes. Maintenant, six axes, il y a ce qu'on appelle la priorisation des besoins, la hiérarchie des priorités. Bota la hiérarchie des priorités, nous avons six axes. Non, c'est incohérent. Comment un pays en guerre, priorité à l'ibosso, le programme gouvernement et à la création d'emplois. Est-ce que il y a Moussala? Ceux qui ont déjà des emplois, ceux qui ont une insécurité, guerre et alibi, qui nous de Konangai. Est-ce que priorité dans un pays en guerre est cause à la création des emplois? Quand il y a guerre, la priorité dans un pays en guerre, c'est la restauration et la sécurité en Boka. C'est mettre un terme à la guerre. Instaurer la paix. Puisque quand la paix est réinstaurée, il y a Kimia Nekolo, sécurité dans Nekolo, investisseur Bakoya, puisque création d'emplois dans un pays où il y a l'économie est extraverti, pour qu'il y ait créé d'emploi sur le plan interne, était par les pouvoirs publics pour satisfaire tout le monde. Et vous avez juste d'emploi, il y a Mike, mais c'est les gros investissements. C'est les secteurs privés qui créent des emplois. Il faut lire les codes des investissements. C'est les secteurs privés qui viennent investir. En créant des emplois, en investissant, si le climat des affaires est allé propice, n'a pas faire simplement parce qu'il y a un, la paix, deux, la justice, trois, le développement politique, c'est-à-dire bateau et bateau accordé ma mesure incitative dans le développement, bali est légitime, bali crédible. Mais ici, tous les préalables, tous les prérequis, pour créer un plan de gagner, pour ça l'économie de gagner. Parce que Bounagana, et rapporter un budget écolo des millions de dollars. Mais ça entre les mains des étrangers, les Rwandais exploitent Bounagana. Bon, ça l'économie sans Bounagana. Bon, ça l'économie sans Rutshuru, sans Masisi, sans Nirangongo. Goma est toujours dans les bruits à botte. S'il vous plaît, Ndeko. Madame Toulouka a botté en touche. A raté occasion et a rassuré notre peuple. Quoi, c'est mon ingaï maman. Ngaïne na yoko na yebaka pasi ya bana. Kongo, peuple a yé loko la bana na libota. Président de la République a yé loko la papa. Bozoui chance ya premier ministre za la mwana mwasi. Engen sa la yé couple mwobwe, ou bengen sa la soucié à population. Ata ke maman kota la, non, soye kimi ananda kote. Bana ba olia malamu te. Soye kimi alite, ekolo eko produire te. Mais ba yé na priorité création des emplois 6 millions, bo kreye ba emploi koma. Alors que les investissements, et ça tenait colo, justicialité, il y a mon monsieur Chilombaba, justice est malade. Parce que justice est garantie, il y a un investissement dans colo. Donc ici, la priorité aurait dû être rétablissement et la paix. Kimia n'est colo, guerre ici là, pour bouter la agresseur dehors, comme ça tout ça l'économie. Parce que quand il y a guerre, il y a l'effort, il y a guerre. Quand il y a la guerre, il faut réduire quand même les trains de vie. Mais la guerre est là, les trains de vie n'est pas réduit. La guerre est là, on nous a présenté un gouvernement à 54
4 personnes, plus maman, premier ministre, 55 personnes. Est-ce qu'un tel gouvernement qui répond à ma défi, alors qu'on aurait dû mettre sur pied un gouvernement de guerre, même avec 26 ministres, à raison d'un ministre par province, pour répondre à la représentativité. Mais c'est comme si, basan a bango ba inconscient, koto guerre, koto basan dit, programme à gouvernement qui ne tient pas compte. Il y a priorité, il y a guerre na ekolo. Ça pose un sérieux problème de Kozoulou. Deuxième élément, deuxième priorité, balobi, renforcement du pouvoir d'achat, s'il vous plaît, Ndeko. Comment vous reléguer sécurité après création d'emplois, après pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, dans un pays en guerre, rappelez-vous Soumouzet, le pouvoir d'achat ne peut être que faible. Interrogez l'Ukraine, guerre à l'Ukraine. Le pouvoir d'achat est faible parce que ici, le peuple qui aurait dû être en mesure de faire face à la cherté à vie, parce que le gouvernement vous dira, oh non, bon, vous voyez qu'il y a une guerre. Le gouvernement vous dira, non, il y a des urgences et la sécurité. En réalité, là où il y a la guerre, on ne pouvait pas détourner. Là où il y a la guerre, on devait mettre sur pied une politique qui a orthodoxie, c'est-à-dire la rigueur. Mais nous avons la guerre, la première ministre ne nous met pas, ne nous rassure pas tant à la rigueur, la gestion à finances publiques. Parce qu'il y a des détournements énormes, il y a la corruption. Mais elle, en tant que première ministre, a y a sali chapelé des bonnes intentions. A sali discours, oh déjà ma tata sala, oh déjà ma mouzito ba sala, oh déjà ma ilukamba, et puis même sa maloukonde. Il n'y a pas de propositions concrètes. Elle aurait pu dire, le pays est en guerre, un, gouvernement n'angaï, et qu'on déplacer état-major général, il faut qu'il y ait un goma, pour te mettre un terme à la guerre dans l'Est, pour récupérer les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, où ils allaient affecter la couronne pour la redistribution sur toute l'étendue de la République. Parce que s'il y a des poches de sécurité ailleurs, on peut revoir les effectifs. Si on met un terme à la guerre dans l'Est, on redistribue ces effectifs coin R et coin, aux années de sécurité. Pas de propositions concrètes en termes à y a intervention pour la peine à Est. Pas de propositions concrètes, même les lots qu'on a bangouana, où il y a pouvoir d'achat, ou création d'emploi. Pas de propositions concrètes, parce que ici, lorsque le pouvoir d'achat est faible. Mais il n'y a pas de propositions concrètes, mais maman, l'obakike, on va créer, je crois, 6 000, hein? 6 000 emplois. On va créer, c'est les projets, on va. Ça peut ou ne pas se tenir. Proposition concrète, ils ont toujours assorti une orientation où ils allaient claire, de nature à ce que surtout mettre le coin en terme, tu reçois 6 millions d'emplois. On va créer par quel mécanisme? Quand Afritech, Biloko, on n'y pas, bah, où tu peux détourner, IGF, où tu établis rapport costaud, il y a eu de surfacturation. Est-ce qu'on peut créer des emplois dans un tel environnement d'éco? Donc ici, maman, Judith Toulouka, Toko, on peut essayer chanceté parce que Mboke Yama m'a chanceté. Mboke Yama m'a compétence, Mboke Yama m'a vision. Puisque cette dame-là ne peut qu'échouer, à quoi échouer? Parce que l'impulsion vient d'en haut. Mais pourquoi Pourquoi échouer? Tant en équipe naï, a opé sa un mauvais système de jeu et que capitaine en a terrain a appliqué ces mauvais systèmes à jeu, ce que chez que baba coach, mais c'est le monde des coach. Topé si est déjà Ilukamba, docteur en économie, a échoué parce que tu l'ombre est faible. Topé si est il n'a ni Samaloukonde, ingénieur, a échoué, tu l'ombre est faible. Et bon, maman, bateau aussi, plutôt qu'il est maraté, parce que, mais c'est sûr, c'est le problème. Yende a joué entretenir insécurité dans l'Est comme chef de l'État, parce que pour mettre un terme à l'insécurité, ce n'est pas le premier ministre Ndeko Zulu. Et Ali, chef de l'État, Yende a coupé sa mot d'ordre comme commandant suprême des forces armées, n'a chef d'État-major, Bangonde va conduire à la guerre. Alors, Bango va lâcher un commandement. Tant, mais c'est sûr, on ne fait pas de la guerre. Mais cette dame-là fera quoi? C'est pourquoi Moni a relégué dans le second plan. Problème, il y a guerre dans l'Est. Parce que chef, na y Chilombo, alors, maman, n'a y a guerre, ou ana, ko tchango libo sauté. Pour on a une guerre. Alors, ça, l'ani. A tchango, on a 4e position. Donc, échec, y a maman, on est allé, Chilombo, on est poussé un échec,
parce que entourage à Chilombo, bah un gouvernement parallèle, bah peut-être une injonction au gouvernement tout est bien beau. Donc cette dame là ne peut qu'échouer parce que l'environnement dans lequel a pu évoluer et aller environnement corrompu, bah toi tu sais que dit bah comme il va millionnaire, bah Rolingate va bloquer bah oh, parce que la dame là a la façon dont le premier ministre là y est Il y a eu des pestes. Plus de 2000 voyages. Comment va recréer l'emploi dans la deuxième mandat? Merci. Impossible. Merci. Mais nanana qui plénière, nanana qui a monté à 2h10. Il y a maman Mokoza député, comme une maman Kavira. Tant à Zogi Malobaleki, à MC maman premier ministre, mais le coup de ça l'allusion, gouvernement parallèle à la présidence. Abi maman Soromoni Bakal. En direct comme ça. Abi maman Soromoni Bakal et l'équipe, maman Nan Rosengayo. On démissionner. Ouais. Voilà, on va voir. Ballon la bataille, on a raison. On va voir ce que ça a. Alors, CG, comment un pays en guerre, la priorité, c'est la création d'emplois. Et puis, deuxièmement, 6 millions, pour créer 6 millions d'emplois, n'a pas entreprise ni. Merci beaucoup pour na Moutouna Nayo. J'ai retenu ici. Et pas invité Nayo à lobby 30 fois que la RDC est en guerre. Oui. 30 fois, j'ai noté. Moi, je suis un peu sensible dans ma concept. Est-ce que la RDC est en guerre ou bien RDC est agressée? Il doit prendre le courage de nous dire ça. Parce que, apparemment, ils ont créé amphibologie entre la déclaration de guerre qui est constitutionnelle et la défense de l'intégrité territoriale. Et ça, des notions héroïques, parce que je pense que vous êtes un juriste avéré. La RDC n'est pas en guerre parce que Bissot-Totika n'a pas déclaré guerre. La déclaration de guerre est constitutionnelle. Comme si cela n'était pas suffisant. Ayel Issus pour créer contradiction, Yemoko. Alobi, en même temps, la RDC est en guerre et il dit, je vous cite, ton invité. Comment le maître Nico? Merci de me rappeler. Le président Tshisekedi ne veut pas de la guerre. Mais en même temps, Yemoko a soutenu thèse selon laquelle RDC est en guerre. Mais en même temps, le président ne veut pas la guerre. Mais vous parlez de quoi? La RDC est agressée. Avec la complicité à Rwanda, y compris la communauté internationale, tout le monde le sait. Et la solution pour finir avec cette agression est multidimensionnelle. Il faut mettre en place la solution diplomatique, mais aussi une solution de guerre. Mais le président de la République, parce que c'est lui qui voit tout ça. Et ce qu'on a même dans le programme Oyo, comment ils ont affecté pour finaliser avec la question de la sécurité, plutôt pour sécuriser le pays. Mais c'est prévu dans le programme. Je pense que ton invité a eu temps, n'est-ce pas? Il y a autant à peut-être le programme. Je ne sais même pas s'il a feuilleté ce programme. Nous tous, nous avons la même préoccupation. Mais alors, où ils ont différencié, ils ont peut-être méthodologie. Il y a à sa politique, il y a haine. Oye que toi boy a nyonso. Et ça y est vert. Au moins il y a vert, il y a azota là, vert à moitié vide. Bisoto kota la vert à moitié plein. Plein comme on dit. Nako, zonga wanate. Alors, le problème, il y a priorité. Écoutez Ndeko Zulu, dans ce pays, tout est priorité. Le programme est basé sur la connectivité, n'est-ce pas, des villes. Et le programme la monnaie est très intéressant aussi. Ce qui est même mieux au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans Mbandaka. Ce qui est dans Mbandaka, dans la province, il y a l'Équateur. Autant il y a à peu près, je crois, 12 km, au commune à Wenzi Sekli. Wenzi Sekli, Kwanga, et Zote Kamana, Primoko Yamouke.
Mais quand on a les mêmes quand les autres comme par exemple na 200 francs na wenzi c'est plus quand na mbanda ko sokoy na mbanda ko koti quand on a les autres comme à peu près 1000 francs. C'est qu'on va faire Zalini. Quand nous qu'on connecte ma ville. Parce que soit connectivité on a et salami, vous allez vous rendre compte même ici na Congo central, ba biore banda royaka et puis les autres comme na primoko dernier mois autres comme na Congo central. Et cela aussi, ça va garantir le pouvoir d'achat. La création d'emplois. Il y a toute une question par rapport à la création d'emplois. Pour quelle entreprise? Je vous dis, il suffit de mettre en exergue l'agriculture. Je vous assure, Ndekozoulou, on peut même créer 20 000 emplois. Parce que l'agriculture est un domaine. Oyo, c'est un domaine moteur, oyo créa kab emploi. Et j'aime dans ce programme parce que va instaurer et loko pe biso na projet de société ya ekolo tozolo bela yango, ezali la mise en place des banques agricoles. Parce que ma banque agricole wana et ko permettre n'est-ce pas en ce que qu'il y ait des crédits agricoles. Parce que l'État a ça la rabilangate. On retire à jamais mon l'État et abandonne sa bilanga. L'État a mettre en place un moyen propice. L'État a mettre en place un moyen incitatif pour permettre à ce que Batouba ça l'année bilanga. Et au-delà de ça, il y aura maintenant, par exemple, ce cabinet bilanga ya banana. Et reçoit quand nanana te. On peut mettre en place des usines, n'est-ce pas? Ou les autres transformer en nanana baji. Alors, si on créait tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y aura, n'est-ce pas, emploi, oyo, et qu'au salama. Et aujourd'hui, avec le projet, par exemple, il y a connectivité à ma ville. Parce que cela ne sera possible qu'à mettre en place, n'est-ce pas, ma chemin de fer. Mais ma chemin de fer, ça va encore créer des emplois. Voilà pourquoi, moi, je ne vais pas, moi, je ne suis pas dans cette logique, rien ne se fera. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais surtout dans la logique, ton programme, je l'ai dit ici, malgré Ezali, soleil d'austérité, mais quand même, ton pèse a un bénéfice, ton pèse a un crédit, pour voir comment la réalisation de ce programme est au salama. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et, tous les gens qui ont été, je le cas na quinquennat, aussi là. Par exemple, un problème, il y a détournement. Votre invité l'a soulevé ici. Problème, il y a coulage, il y a ma recette. Et nous, tous on se posait par question, par exemple, par rapport à la mobilisation. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avons déjà fait 6 mois. ODG Leki. Alors, il faudrait, n'est-ce pas, que ce gouvernement va travailler ma casse. Et je pense, à mon sens, que Bangomo Bazali conscient, voilà pourquoi Awa, n'est-ce pas, à la jeunesse de ton intervention, qu'il y a déjà des remises et reprises au salama. Donc on suppose que le gouvernement va activer, n'est-ce pas, caractère et célérité. Mais ceux qui sont en face de nous, tous en abattoyo, ça attache à sa moukete. Mais balingin casse. Qui nous disent la vérité, ce qu'ils veulent. Parce que le gouvernement va passer le programme na bango. Oh non, il faut tenir priorité. Tantôt le pays est en guerre, le pays n'est pas en guerre, le pays est agressé. Mais il faut lire dans le programme. Le mécanisme est allé prévu. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, nous avons mettre en place un système de recrutement. En ce qui concerne, par exemple, la police nationale, dans ce programme. Plutôt il y a une incise là où ils ont mettre en place l'académie, il y a police où d'abord qu'on forme les policiers, parce que nous sommes d'avis que nos policiers pour la plupart ne sont pas formés, mais dans ce programme il y a cet aspect où tiens en exergue aussi. Alors si vous venez, n'est-ce pas, ici nous sommes en train de venir de réfléchir, nous réfléchissons en tant que Congolais, mais contrairement à vous, parce que ligne éditoriale Nabino, ligne de communication Nabino, Baba no ka papa kende kuna boya nyoso. Oh, ce n'est pas ça. Oh, yosogoye obo nyoso, vous pensez que vous êtes en train de faire de l'opposition. Oh, ce n'est pas ça l'opposition. Parce qu'on s'oppose à quoi? On s'oppose, il y a programme Bibonde Zawa. Programme Oyo, il y a gouvernance, et ça qui boye, mais nous, on pense que c'est si.
Mais bino boté, nous c'est ma bé, bah ça est l'or au thé, moué l'or à madame Robimate, Kabinan Félix Akende, et tout. Non, 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 ça c'est pas un discours. Merci. Où on est patriote, où on ne l'est pas. Merci. Faisons les choix. Merci, Séché, merci. Et bon, comment on appelle ce terrain opposition au PESAT? La fois passée, j'étais ici avec Maman Chantal, je l'ai dit. Parce que même, bah, embrouillamini entre catégorisation et opposition. Parce que nous avons une opposition parlementaire et une opposition extra-parlementaire. Mais bango, puisque ma kenneb élection te, bandu bango, na chef na bango. Aujourd'hui, bazo sa l'opposition extra-parlementaire. Mais regardez, opposition extra-parlementaire bazo sa la. Et ça, on va perdre la télévision. Opposition extra-parlementaire bazo sa la, c'est où? Donc si vous n'avez pas de discours, bo vanda kimia, bo tala. Bon, Zélandais, la réalisation, c'est à ce moment-là que vous allez revenir avec force pour dire, oh, écoutez, nous on avait raison, tout le monde. Merci. Au lieu, n'est-ce pas, pour que ma bisson, dans ma démonstration, mon robot, oh, ils ont marché, et en même beaucoup. Temps, aux autres, ça la confusion, n'est-ce pas, dans ma concept. Et mais, ça, c'est très dangereux. Merci beaucoup. Alors, maître Nico, est-ce que aux autres qui tentent, il y a tant de programmes en Anionso, il y a un landa en Otinasuka. Et puis, maître Nico, pourquoi ça sera toujours politique, il y a haine? Oui, bien, je comprends que c'est un parti qui vient de naître, et ça même pendant 6 mois. Azali, moi, Nayabati, AFDC, c'est normal. Et je comprends l'île politique et Sikabouti. Son président, c'est un ami. Que l'opposition de Sénamboka ou Baniko Maengue, il me doit d'abord du respect. Parce qu'il vient de commencer avec mon ami Chris, la poste à secrétaire général. On l'a bombardé. Alors, d'abord, Niko Maengue, le président du Congo normal, c'est différent. C'est ça le problème. Il ne faut pas faire des confusions, s'il vous plaît. Je te respecte, autant respecte-moi. Okay. De deux, je n'ai pas été dans le processus. Dans l'opposant pour moi. Je suis résistant. Nous avons résisté à la fraude, monsieur. La résistance date de la révolution française, la révolution américaine. Il faut lire l'histoire, monsieur. Quand je ne connais pas les institutions, je vais m'opposer à son programme commun. Je résiste à la fraude. Je résiste à cette occupation politique au sommet de l'État. Ici, d'Indy. Je résiste, monsieur, à la malgouvernance. Je résiste na mal au Isa li na katie kolo. Oui, Bindeko, je suis juriste avéré, tu l'as dit. Mais je suis supporter des mains. Je vous parle avec autorité sur cette question-là. Parce que tu as des confusions. Batwa Olandabiso, Nandaku, Bako noté, même si vous bimé au téléphone, ça là-bas recherche. Je vous parle avec autorité scientifique. Olobi Congo. Toi, on a guerre, mais on le dit Congo, tu as agressé. Ndeko, vous avez fait quelle formation dans la vie? La guerre, il y a 2 août 98. Où il m'a mis 10 millions de morts. Le Otobengi Genocost. Et il y a une guerre d'agression. Pour toi, l'agression n'est pas une guerre? Qui t'a enseigné ça? Je vais demander à Chris Mukendi, mon ami, à l'ongolo secrétaire général. Tu communiques mal. Congo est victime, il y a guerre d'agression. Il y a agression, ça guerre. Mais il faut lire la charte de l'ONU en son article 51, chapitre 7. Chapitre 7, article 51. Il faut lire la charte de l'ONU en son article 39. Là où on parle de la guerre d'agression et de la guerre de légitime défense. Il faut noter, monsieur, qui va enseigner dans l'école au parti Botamisika, parce qu'on a une notion de politique, même la géopolitique. La guerre d'agression, s'il vous plaît, prenez des coups. On en parle, quand il a fait un homme théotique à Bombanan. Parce qu'il a donné, il a semblé donner une leçon à un vieux singe. Congo est victime de la guerre d'agression. Lis l'article 39, il y a charte, article 51. Ce qu'on a dit que toi agressé, mais toi en guerre, tu es allé contradictoire. Et allé faiblesse de l'esprit, faiblesse de langage. Deux, au lobby. La guerre est constitutionnellement garantie, il faut la déclarer. En droit international, il faut lire, regardez-moi droit aux yeux,
J'en ai la maîtrise, monsieur. Il y a ce qu'on appelle Kani et Kai. Conflits armés nationaux. Et conflits armés non internationaux. Non, conflits armés internationaux. Quand on est victime d'une guerre d'agression, Ndenge Mouzé, c'est-à-dire qui est victime à guerre d'agression, Ndenge l'autre est victime à guerre d'agression, Balobi, votre présence chez M. Chilombo, Balobi, on est partout dans le monde entier. Les M23 est soutenu par les Rwanda, M23 en a base arrière na Ouganda, parce que Bounagan est quoi qui est parti à Ouganda, les militaires rwandais, bas en a Congo, bas ont opéré armes et munitions, Tokanga des militaires, M. Chilombo, bas ont ça, bas on a demandé Angola, et bas prévu agression, messieurs. Maintenant, toi, la position à légitime défense, guerre à légitime défense, mais c'est pas déclaré à Yangote. Il faut noter, j'ai une maîtrise en droit international, monsieur, je te parle avec autorité scientifique. Guerre, il y a légitime défense, on ne la déclare pas. Il faut noter, guerre civile, on ne la déclare pas. Il faut lire les différentes sortes de guerres. Quand on fait une insurrection, Neti na Katanga, parce que l'insurrection neti na Ituri, vous allez déclarer la guerre? C'est une guerre civile? C'est un conflit interne? On est en guerre? Même la guerre d'insurrection? Même dans le conflit civil? Quand les MLC, les RC de Bazou Mandouki, Babundi Simouze, on était en guerre? Bemba est considéré comme rebelle, mais vous faites une guerre civile, messieurs. Il ne faut pas venir dans le plateau de télévision faire une incantation. Je reviens sur ce qu'il a dit. Ah, mais non, Mboka. Mboka mon côté, État pour ça l'agriculture. Qui t'a enseigné ça? C'est une faiblesse. Olobi, l'État ça l'agriculture. T'es. Tu l'as dit, tu vas revoir l'émission, monsieur. J'ai une capacité très élevée à rétention. Olobi, l'État ça l'agriculture. T'es. Qui t'a enseigné ça? Une fois encore, je demande à mon ami Moukine de sortir de cette émission en Benga suspendre. C'est le service national. Où est-ce que l'agriculture? Ça l'État. T'es. Va en Chine. L'État ne fait pas l'agriculture. L'État fait aussi l'agriculture, les secteurs privés font aussi l'agriculture, on crée les mesures incitatives pour l'agriculture, ça, les mapons d'investissement. Tu as parlé, l'État, ça, l'agriculture, ok, il faut que tu aies mesures incitatives. Qui t'a dit ça? S'il vous plaît, Ndeko, il ne faut pas passer la télé avec des prétentions. Hein? Quand vous êtes devant de Nico Mayengue, il faut faire les soins des mots. Il ne faut pas déclarer n'importe quoi, sinon, je vais te rattraper. Tu vois, je ne note pas. Nana Bikité, je retiens. Monsieur Ndeko nanga kombonani Mbangi Ndeko Mbangi CG Ndeko Mbangi Mba Jacob te limbisanga o meladi ya Jacob comme la Mbangi te Ndeko Bangi Mbangi Jacob Mbangi Ndeko Jacob voilà il revient l'obi non tout ça la politique ya haine s'il vous plaît Ndeko c'est que Félix Tshisekedi a fait na IDPS na mboko notre sali en hôtel. Arrêtez ces histoires, il y a un discours, il y a faiblesse, il y a un manque d'arguments. Vous convaincre que vous êtes là, vous créez combien d'emplois? Pour que ce soit le but, non, emploi, il y a opposé à ce chiffre. Tout ça, la politique, il y a haine. Bounagan est là, tout le monde est là, non, le quoi, s'il sait qu'il y a un pouvoir, Bounagan est là, Congo, tu as la contrôle à Bounagan, c'est ça, haine. Tant de dollars est commis 30, tout le monde est là, 3 000, parce que Félix est le fils de Tshisekedi, tu sais qu'il dit, c'est ça la haine. Quand les gens ne mangent pas, Nzélé Zaki, c'est tout le bien comme haine. Mais opposez-vous les chiffres, opposez-nous les réalisations concrètes pour vous le baguette en haine. S'il vous plaît, Ndeko, dans une république, on ne parle pas de haine. Parce que là, c'est un discours séparatiste. C'est peut-être que vous avez dans une république, on parle de l'intérêt général. Tant que l'intérêt général est raconté, on vous critique, vous nous proposez les contraires. Quand on vous critique, vous parlez de la haine. Ce n'est pas un problème sentimental. La haine reste, relève des émotions. Ça ne relève pas de la rationalité, monsieur. Ça ne relève pas de l'objectivité. Quand on détourne mon carte biométrique d'identification dans l'ONIP, IGF est là. Tant que IGF a dit que non, on a surfacturé ma carte d'identification nationale. Et ça, haine. IGF peut dire la haine. Soit une quoi le bien, la haine. Quel est dans ces pays où on peut mobiliser des centaines de millions de dollars pour avoir un chef d'État qui a une carte biométrique, carte d'identification, on a un premier ministre. Donc, 3, 4, 5 cartes, on a bloqué la machine, le mécanisme est bloqué. Est-ce que lui qui est ça à sauter? Et on a un Ndeko. S'il vous plaît, vous êtes incompétent au pouvoir. L'incompétence, c'est le fait de n'être pas en mesure de répondre aux attentes. Il y a ma tâche, on va confier. Vous avez eu 5 ans. Il y a eu 5 ans, on a 5 ans, tu as sali réforme telle. Tu parles des réformes. Dans le secteur judiciaire, il y a eu
Bah, outa qui na 2010, qu'on définir crime d'agression na Kampala, na fin mai juin. Parce que dans le statut de Rome, et dans l'article 5, on avait prévu crime d'agression, mais on va définir ça en côté. Tant on va définir en 2010, puis on va être victime d'agression. Quand on est victime d'agression, ce qui pour cela qui n'a amour et colo, il faut ratifier l'amendement, dans la charte, dans le statut de Rome, pour tout poursuivre le Bakaga, mais même la justice Nabiso. Mais cet amendement est entré en vigueur en 2017, 17 juillet 2018. Si les lons d'écho, pour ratifier en côté, pour te permettre ton sang, ça va agresser. Est-ce qu'on est à haine, toi, c'est incompétence. Alors, on va chuter. Est-ce que vous avez un côté dans le programme? Programme, oh, maman, un déco n'aï. S'il vous plaît, qu'on ne vous trompe pas. Même bateau, vous avez un programme en haut. Même bateau, vous avez un tangi. Même bateau, vous avez un télévision, vous avez 6 axes. Aïe, vous avez un cosi, ceux qui n'ont pas quitté. Ceux qui n'ont pas quitté, vous avez un déco. Vous avez un premier axe et à la création d'emploi. Est-ce qu'on a créé un mot? Deuxième axe, renforcement du pouvoir d'achat. On a créé un mot? Il y a un mot moni. Le programme est convaincu, même si on a un mot sacré, et convaincu que le mot moni, il y a un mot qui est 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 un. Voilà pourquoi vous avez induit, madame Judith Toulouka. Judith était en erreur, vous avez dit que vous guerre. Mais sur autant les droits internationaux, autant les droits de la guerre, puisque les droits de la guerre existent. On appelle ça les droits internationaux humanitaires ou les droits des conflits armés. Sur autant, au Congo, on a même guerre civile et à guerre, même insurrection et à guerre, agression et à guerre. Mais ici, on a la guerre, tout déclaré guerre contre les Rwanda, guerre d'État à État. S'il vous plaît, Ndeko, il ne faut pas présenter les limites. Je vais chuter. On peut se dire tous les temps. Ndeko Nangai, Alobi, 30 secondes. Alobi, voilà. Écoutez. Maman Judith, tu peux sa chance, biso tu as la politique ya haine na lobby ngo déjà ndeko. Nga na politique na pesa mtu chance. Chance est relevé na domaine mo il y a fatalité. Na politique 1 plus 1 égale 2, messieurs. Ceux qui na moni que ici est-ce qui chasser Ali. C'est un problème, tant on a résolu on a juste satisfaction. C'est ça 1 plus 1. Mais ceux qui sont incapables de résoudre les problèmes, il y a une chance, il y a une compétence, il y a un programme, il y a une vision. Donc bref, mais c'est tout le monde là, elle n'a été. J'ai eu la chance de travailler avec Félix. Félix, il me connaît énormément. Soit il a besoin de pouvoir en déco, dans rose au téléphone à Bengi, et puis les amis sont à présent, ils m'ont appelé, dans l'Anda Bangote. Yo, autobi masiko yo. Au bout de la poste, aux postes. Au loup, tu n'es pas barat, au long, en plein navire, au petit navire, on a maille. Si tu comme au bon de là, tu peux savoir nos postes, et moi, bonjour, Luca, na Mouzito, côté au balobi, oh non, tu es le premier ministre a déclaré guerre, tout ça, non, tu as la guerre d'autodéfense, guerre de légitimité. Merci beaucoup, maître Nico. Ça l'a déclaré. Merci beaucoup. Alors, CG, Jacob Mbangi. Pour Nanini, Nabi, que vous allez à la toilettage. Normalement, il est à la toilettage. Et pour ceux qui font la question, deuxième thématique. Pour Nanini, économie, Nabi, ce qui est allé. Exact. Économie, Nabi, ce qui est allé. Ok. Il va expatrier. Quelle solution pour y remédier? Toilettage, vous avez la question. Vous avez la question. Vous avez l'air invité à la banalité de Koseka. Parce que à confondre même plateau, il y a abandonné Belanga ba vie privée naie, il est ceci. La science. Et en même temps, il prend l'outrecuidance de dire que il a l'autorité, l'outrecuidance de dire que il a l'autorité scientifique sur moi. C'est la question, non? C'est la question. Non, non, non. Même au cas de la vidéo, retard. Sur la question. C'est qui osa débattre? Non, non. Hasard, tiens. Même au cas de la vidéo, retard. Je répète, va au cas. Oui, au cas de. Jacob, va au vidéo. Non, dis, j'ai l'autorité scientifique sur la question. Maître Nico, au cas de la vidéo, retard. Je vous parle avec autorité scientifique. Kata vidéo. Ça, c'est de l'échappatoire. Il y a qu'à la matière. Oui ou non, agresseuse à guerre. Merci beaucoup. C'est ça qui est la question pour un champion. Merci beaucoup, Maître Nico. CG. Bon, tu comme Naza en face à deux journalistes. Tokei, je te protège. Tokei. Écoutez, on doit être sérieux dans ce que nous faisons. Ceux qui n'ont posé aux questions, car à quel moment
peut-on dire que ce pays est en guerre? Parce que pays où ils allaient en guerre, s'il vous plaît, pays où ils allaient en guerre, ils allaient être mis sous un régime spécial. Pays où ils allaient en guerre et qu'on se comportait, ils allaient en guerre. Ils en guerre. Je vous donne, et s'il vous plaît, je vous donne aujourd'hui l'exemple à Ukraine, l'exemple à Russie. Parce que la Russie a déclaré la guerre. Oh, mais regardez la manière dont la Russie se comporte face à l'Ukraine. C'est une matière qui... allez-y voir. Mais vous parlez de quoi? Vous avez déclaré la guerre contre Bemba. Je l'ai dit ici, s'il vous plaît. Je l'ai dit ici. Ceux qui ont tangi... Ceux qui ont tangi, n'est-ce pas? La loi, si la Nifar décède, vous allez vous rendre compte, je l'ai dit ici, que dans le moment où il y a débat à Oua, Far décède va défendre l'intégrité territoriale. Mais défense l'intégrité territoriale, je l'ai mentionné. Défense l'intégrité territoriale, c'est la Rondani. Ce que vous avez dans Mindou quitté. Défense l'intégrité territoriale, c'est la Rondani. Mais la déclaration de guerre, Oyozoloba, parce que quand tu dis que la RDC est en guerre, il faut te mettre que RDC sous régime, il y a guerre. Et sous régime, il y a guerre, n'est-ce pas? Et c'est un maca, comportement encore différent. C'est ce que je suis en train d'expliquer au monsieur l'espère. Mais monsieur l'espère, Azan va maîtriser la concept. C'est ce qui fait mal. Aujourd'hui, sur l'école, tout ça, les 6 mois, oui, nous l'acceptons. Mais l'école, animateur à l'école, bazaba novice dans la politique, peut-être vous ne savez pas. Ce que habite tout une question. Le président Chris Mukendi a bandi wapi. Mais il a été dans MLC, a passé dans CDR, après le Kéba président Bati, a novice dans la politique. Moi qui vous parle ici, je ne suis pas novice en politique. J'étais candidat, député national et provincial, Founa Kalamu. J'ai un parcours politique, je suis un acteur sociopolitique. Merci. Alors vous venez, le rat au Koutani, au Ligny, on a bien sa vie privée, au Koma Babi, aussi, je connais les joies et son jet, Narokota, ici c'est le débat d'idées. Ce que vous avez tout vie privée, c'est un problème. Économie n'a pas besoin de papaya. Économie n'a pas besoin de papaya. Pourquoi? Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, la RDC, nous avons un sérieux problème. Le problème est un modèle structurel de l'économie. Vous savez, de Kozulu, il y a eu l'indépendance, n'est-ce pas, le 30 juin 1960. Indépendance, c'est une indépendance politique. Normalement, on devait avoir une indépendance économique. Ou est-ce qui prévu aussi, mais est-ce qu'il y a. Ce qui veut dire que nous n'avons pas une politique économique structurelle. Politique économique, c'est conjoncturel. C'est-à-dire, et ça, c'est long, Moutouna Moutou Azoya pour mettre en place politique naï. Et c'est ça qui pose un problème. Nous n'avons pas un modèle. Ce qu'on a posé dans tout pays, c'est que politique nabiso est basée sur tel domaine. Politique nabiso est plutôt basée sur tel aspect, sur tel projet. Aujourd'hui, si vous avez par exemple en Chine, on vous dira. Que politique n'a pas été basée sur ça. Mais nous avons un sérieux problème, il y a productivité. Nous avons un sérieux problème, il y a production. Parce que tout ce que nous faisons, c'est ça, une politique qui est basée, n'est-ce pas, dans l'économie, où elle est extravertie. L'RDC, nous ne produisons rien. Même qui. Moi, j'ai été étonné, dans mon acquis, dans le quinquennat passé, dans le ministère de l'Industrie. On a, n'est-ce pas, à inaugurer Bakirda. Oh, ils ont une fabrication, n'est-ce pas, congolaise. Mais Bakirda, on a la table de la marché dans le monde. Bakirda, on a la monde dans le marché, ils ont Bakirda. Oh, ils ont même la bise au Liban. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, tout apporte bise, tout produit de l'autre côté. Oh, aujourd'hui, dans la mondialisation, voyez-vous, il faudrait que vous apportiez quelque chose. Mais nous, le comme de ce que nous subissons. Mais pour nous, je le dis ici, nous n'avons pas une politique structurelle. Parce que la politique Nabisso est essentiellement basée sur le secteur minier. Or, il était temps, aujourd'hui, n'est-ce pas, de diversifier la politique. Donc, il y a à peu près
80 milliards d'hectares, il y a des terres arables. Nous faisons quoi avec? Na rejoindre Maître Nico Mayengele sur l'aspect du service national. Mais est-ce que pour Moutou, Asa Bilanga Namboka, oh, il faut avoir Kouluna? De ce que ça dit Kouluna, Kouluna, Bakangio, ne oleki na service national pour faire Bilanga. Non! Cela devait être, n'est-ce pas, comme une politique structurée au tien Namboka. Toi, comme on a dit, 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 au lieu de venir nous bombarder avec des théories inutiles, superfétatoires, aux attentes à place, aux assassins, au lieu moi, Jacob, de venir chaque fois, na télé, n'est-ce pas, pour parler, na école, tout le reste, aux armes à place, aux assassins. Mais nous, nous n'avons pas ça. Alors, comment voulez-vous, n'est-ce pas, que tous aient la productivité aujourd'hui, même dans au Serbe, province, au lieu de nous ça, spécialisé dans la production, par exemple, il y a café, ba cacao, au lieu de Bumba, Barry. Oye na mafuta mbila awa na Congo central voilà bonganda nga aussi. Mais si on tozui donc chaque province na spécialité nango et que on met des moyens pour que ba produit et que connectivité salami. Mais vous allez vous rendre compte que tu as besoin de chinois, ba ça la biso ba loso oyo bimara na plastique pour to lire ah ils ont produit ba problème inutile. Tu as le na mai fleuve pour produire ba mbisi. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui pour na olia mbisi? To lire ba mbisi oyo ou ta na ba formol ba temps. Non, on n'a pas besoin de ça parce que tu as ba fleuve na biso awa. C'est-à-dire le problème aussi, ils ont problème ya gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que au-delà du programme OESA qui est mis en place, oui, cité. Il faudrait, n'est-ce pas, installer une bonne gouvernance. OESA peut mettre en exergue, n'est-ce pas, la productivité interne. Parce que nous ne voulons plus dépendre, n'est-ce pas, de bateau et Libanda. Et cela va aussi valoriser notre monnaie. Parce que, comme vous le savez, la monnaie nationale est basée sur la productivité interne. Merci. Et cela va garantir même le pouvoir d'achat. Merci CG. Alors, Maître Nico, biso kalatan to savo pour là, to ebaki ba. Maître Nico, t'as la tête, il y a une question. Nata. Ma kacha ma kantina. Il y a une question. Tant que to savo pour là, to ebaka ba. To la benga ba homme d'affaires. Mais to ebaka ba opérateur économique et belé. Ba Kasebu, ba Dokolo, ba Kisombe qui a commencé, Kinduelo, mais Lelo Bazate, Lelo comme plus les Indo-Pakistano-Libanais chinois. Quelle solution pour y remédier? Lelo, tu as ba Kabuya, tu as ba Peter Kazadi, tu as ba Nicolas Kazadi, économique. Mais quand on est ba millionnaire à Lelo, les politiques, tu as la kende na ina chité wana. Neko Zulu, ebike. Dès qu'on a la humble, de Bézana Lingala, il place le mot, ceux d'un français, on en est tous placés les mêmes mots. Vous allez humble. Ce qui est évité, c'est que vous avez un peu de temps. S'il vous plaît, Ndeko. Tant que l'article 39, l'article 51, il y a charte, il y a ONI, au moment où il y a guerre, il y a légitime défense et Ali. Ils craignent, au salalision, là. En guerre, il y a légitime défense. Guerre au monde. Bah, agressé, n'a reçu. Victime et agression fait la légitime défense. Il recourt à la force en vertu à chapitre 7, article 51, charte à ONI. Na débat, bah, après Naka. Et ça, tu as la même formation, tu as la même expertise. Tu as appris à prendre pas dans le domaine. Na yo. Le Congo est en guerre. Guerre, nous, on se va déclarer en côté. Moussa c'est la guerre d'agression a déclaré consulté l'archive. Mais au monde qui est une coalition il y a SADC face à coalition Rwanda Ouganda Burundi. Peut-être les victimes et agression agression à la notamment à des caractères. Quand on vous agresse guerre légitime défense et ça actuelle et ça imminente et il doit être proportionnel. C'est-à-dire la riponse doit être proportionnelle. Ce n'est pas béti massas, ce n'est pas béti massas. Ce qui va bêtir ma bombe, il peut bêtir ma bombe. C'est ça la légitime défense. Donc ça ne se déclare pas
en vertu, il y a article 144 de la Constitution. Non, mais, ça, c'est un autre cas. S'il vous plaît, mais lorsque je, laissez-moi évoluer que je vous parle. Je parlais de la défense. Vous êtes dans la ligne là. S'il vous plaît, on a bien agressé à guerre. Tout en a continué. Là, c'est Jacques Yoté Jacob. Je suis spécialiste dans ça. Je suis spécialiste dans ça. Mais c'est la guerre. A dérangé Jacques Yoté. Tu vois, je suis. A dérangé Jacques Yoté. C'est là. S'il vous plaît, vous avec vous, Naïd de Peste, je respecte beaucoup mon ami Chris Mukendi. C'est un scientifique, s'il vous plaît. Ma peine à Bino Bolingo, ça la politique sans science. C'est ça la difficulté. On a un expert, là. Non. En politique, on vient avec l'expertise. On ne vient pas avec le discours, tralala. On vient avec l'expertise. C'est ça la difficulté. Je ne dis pas que toi, tu n'as pas d'expertise. Naïd, tu es dans le domaine. Mais l'expertise est préalable dans l'action politique, puisque théorie est précédée d'abord pratique. À présenter de Konanga et Chris Mukendabi, il était dans CEDER, je n'ai pas refusé, MLC, AFDC, les locaux écolo. Donc, vous présentez mon ami Chris comme un vagabond politique. Il va te suspendre, monsieur. Je les connais. Donc, tu présentes le président de ton parti comme un vagabond politique. Azala qui n'a parti Oyo, Ali Atondi, Alongwehawa, Ali Atondi. S'il vous plaît, on ne communique pas comme ça en politique. Il y a une communication politique, il faut préserver les chefs. Il ne faut pas l'exposer. Je vous parle comme un président des partis politiques. Tu as mal communiqué. Ici. Opérateur économique. Et puis opérateur économique. Le commun absolu ne se voit pas. À l'obby, et le comment quoi, non, tu as un problème, il y a gouvernance. Non. Aussi, Mbanyo Kanakati Kati. Source, il y a problème. Avoir appliqué bonne gouvernance, vous devez avoir la vision. Congo n'a pas de vision. Sur la vision, on a, sur le plan alimentaire, autosuffisance alimentaire, qualité de vie, c'est d'abord une vision avant d'être un programme ou une gouvernance ou une tâche gouvernementale. Félix n'a pas de vision. 5 ans, monsieur, l'agriculture, il y a la culture monsieur, qui nécessite que 6 mois. Au lieu de mettre Nico, il va cause en abilangane, non, bah, quand on a ferme. Je ne vous parle pas de la vie privée, vous amenez là. Na outi ferme na malouku. Votre régime, ba filé ngaï, ti na point à port Linda, on m'a arrêté. Je revenais de ma ferme. Donc personne ne vous interdit d'avoir votre ferme privée. Donc ce qui fait nourrir Kinshasa et aller bah, activité privée, bah, ferme, ils en ont périphérie, malouku, c'est ce qui fait que tous en a moi pour nous, tous en a moi matembele. Soit ça y bon côté vivre. Mais c'est chilombo pour na cause en a vision. Soit en a vision. Alobi ni na kinda kinkolo, voilà. Na moni clé pour résoudre les problèmes alimentaires. Clé en oué kouya na fleuve. Donc, attends, si c'est discours clé kouya. Si vous avez une vision, 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 vous avez une bateau de pêche, vous avez une vision, tracteur, et puis vous avez l'agriculture. D'abord, l'État a créé cadre. Le cadre est là, le code des investissements est là. Mais la vision n'y est pas. Le climat d'investissement n'y est pas. Le climat d'affaires n'y est pas. Le développement politique n'y est pas. C'est un problème structurel, comme tu l'as dit. Mais comme on dit problème structurel, mais besoin de décision, de solution cosmétique, sporadique, ça ne résout pas un problème qui est structurel. Tu as bien placé les mots. À un problème structurel, une solution structurelle. Donc, comprendre que tu communiques mal encore, on dit le régime, il est incapable de mettre sur pied la superstructure pour résoudre les problèmes. Mais pourquoi donc, ici, le problème est pour l'opérateur économique, c'est quoi aujourd'hui, on avait fait une introduction dans l'AI, pour comprendre l'AI. Aujourd'hui, vous avez les expatriés. Je vais beaucoup pamba na Congo. Allez, investir dans le supermarché, dans le domaine agroalimentaire, tout ça. Mais Bissot, quand ils détournent 100 millions, ils construisent les immeubles. Non, t'as dit ça, t'es. Vieux Kindwelo, vieux Jean-Pierre Bemba, Jano Bemba, vieux Dokolo. Et là, il faut faire ce qui sombe, qui a Kumbuta. Ok? Qui a Kumbuisi. Mais ça, là, qui a sali investissement, n'a-t-il a joué un intérêt à investir, à réinvestir. Mais plus son bon auto-joie, on a tangé le nouveau riche. Alors qu'on bête à frappe, parce qu'il y a un régime à frapper, 100 millions, au lieu d'investir à ta peuple à bénéficier, vous comprenez, Nathan Akimoui, on a créé un emploi dans le Congo, on a eu un à Dubaï, on a eu un Hitler, on a eu France, on a partout. Donc, on a eu un politicien, ils ont investi,
Maintenant, les politiciens vont investir dans le Congo. Non, ils investissent ailleurs. Notre économie est extravertie et puis ça tenir dans la boucle d'expatriés. Pourquoi? Parce que tout pouvoir qui arrive, moi tel que je suis l'homme maintenant ministre de la Justice aujourd'hui, les soirs, les expatriés, tu veux qu'on félicite le ministre de la Justice, tu veux qu'on félicite le ministre de l'Économie, tu veux qu'on félicite le ministre de la Finance. Au moins, il y a beaucoup de rigueur. Pour n'avoir qu'un gabango, mais dans le domaine économie, fixation des prix, réglementation des prix, dans le domaine de la justice, il y a un blanchiment d'argent, ça a déjà corrompu. Au monde, or, ceux qui ont ordre dans le secteur, les autres Congolais viendront investir puisque les expatriés ont ce qu'on appelle la position dominante dans les marchés. Bah, je vais étouffer les Congolais qui peuvent faire les petits commerces. Et aux gens qui ont économie, parce que petit commerce n'a droit, ils ont réservé les Congolais. Oui, oui. Mais les expatriés ont envahi certains à petit commerce. Ils ont monté à Titonga. Aux gens, si quoi ont essayé d'équilibrer ça, que les expatriés vont vendre en gros, les Congolais vont revendre en détail, ils vont envahir le marché parce que le pouvoir est faible. Le pouvoir politique est corrompu par les expatriés. Domaine, il y a sous-traitance. Alors, il y a mine. Mais mine fait partie des domaines à sous-traitance. Au moins, les activités secondaires, il y a mine, il faut être tenu par les Congolais. Chuté. Mais ici, les expatriés, ça l'extraction, c'est la dernière activité, il y a mine. Là où les Congolais pouvaient agir. Donc ici, tout revient dans Moutou à Félix. Donc Félix a sa faible. Félix a la vision T. Gouvernement n'est pas en vision T. Moi, chef de l'État, je vais interdire, par exemple, importation de ciment gris. Puisque pour donner la chance à Congo central. Congo central, ils ont assis sur les calcaires. Calcaire, il produit et contribue à 90% de la fabrication de ciment. Toi, ma belle, ils ont produit à ciment, tous ont importé ciment. C'est un manque de vision. Alors, il y a quoi? L'osso. Bumba, quand nous grandissons, quand nous grandissons, bah, tu vas dire qu'il y a l'eau sur la bumba. Au moment où on a moins de chocolat, mais sur le plan à consistance, et ali n'a pas élément nutritif, il y a ma casse. Mais bah, je vais importer l'eau sur la salle, il y a un sachet, il y a un plastique. Et quand il y a un OCC, il y a un autolier, au bel appendicite, au sali de la constipation, les responsables, c'est M. Chilombo. Parce qu'il y a un service à OCC, à tuer Bato et Ote, pour qui qu'on contrôle, peuple à qu'on consomme nini. On comprend que pour chiter, l'économie peut être détenue par les Congolais, il faut avoir une vision. Domaine, il y a banque. Aujourd'hui, aucun Congolais ne tient la banque au Congo, aucun. Mais regardez taxation à l'activité bancaire. Quand tu fais les retraits dans le Congo, dans ce qu'on retrait dans l'Afrique du Sud, on compare les mêmes montants pour ça, il va au Kato dans le Congo, au Katao, même 50 fois supérieur. Vous comprenez qu'il y a un laisser-aller, un laxisme. Mais tout ça, c'est M. Chilombo qui ne s'occupe que de ses voyages. Et il envoie mon frère Jacob, qui est jeune, à défendre quand on prenait le pouvoir en déco. Tout ça, nous pour avoir trahi l'histoire. Merci beaucoup. Alors, on va terminer l'émission. Une minute à conclusion. C'est Géo Osugisa pour Banimi. Maître Nico, conclusion. Une minute et puis tu reçois que ça n'a CG Jacob Mbangi, CG à parti politique Ecolo. Ecolo. Merci beaucoup. Chris Mukendi. Merci beaucoup. Une minute conclusion. Oh, nous sommes tous les deux. Na mon ami Chabani Jacquemin, ministre intérieur. À suspendre cette opération Panthère Noire. C'est criminel. Na Kingasa ni Babenga na veni Mobutu, croisement na Kimukoko, na Kimpioka, na Réunion ya Terra Saint-Paul, bazo kanga ba gêne simplement parce que gêne alati pantalon mounene. Mais si vous avez pantalon mounene, l'axe a condi 5 ans avant de colia bien té, pantalon avant de colla tazo kanga bien a condi mounene comme infraction. Bazo kanga muntu po atiki souke belé parce qu'il y a 500 fois son bagilette té bobo mimboka mutatiki souki bokangi comme infraction de dépôt. Jacquemin suspend l'opération Panthère bazo kanga ba gêne. Sur le plan politique, ça peut se lire comme ceci.
Bolingi, bon réduire, bon diminuer le nombre de jeunes, pourtant tu relances l'opération, ne touche pas ma constitution, les jeunes vont à la tête. Bon, quand les jeunes peuvent manifester, c'est ça l'objectif politique. Bon, quand les jeunes peuvent revendiquer, ils vont à la tête. Bon, tika senga, gloria. A l'obi, les locaux, comment on découvre? Tolembi passe. Na gloria, l'obi, tolembi passe, bon kangye. Na nanga, tu manduki. Ouvrez les rêves. Est-ce que nous avons un bon cas? Batou après 32 ans, il y a une dépense pour un discours, pour une marche, pour une revendication de coup. S'il vous plaît, Jacquemin, si vous êtes touché, suspend l'opération Panther. Deuxième élément, bon long la batou, il y a transport en Anzela, tracasserie, l'équipe, si vous avez un peuple à respirer. Toi, nous avons un peu de temps pour la rentrée scolaire. Batika batu basala mosala transport ezalité tala batu baotambola makolo botika batu basala mosala voilà pourquoi na sengi pe na monsieur Félix Antoine Tshilombo atiki na mama Tuluka maboko libre parce que ali mama atiaki wana po a bloquer été et si ka sama lukonda supporta ki mama ko démissionner do batika mama mama yope komiti kate avec évolution au monde discours il y a sexe il y a la sauté na moi na mobal c'est les discours il y a compétence agis-toi comme une femme battante et demande à M. Tshilombo ba conseiller parce qu'on a présidence ministre des finances à se comporter comme papa Tito batika pe finance na ba dépenses urgentes parce que mboka a lobi tout est urgent mais merci. Urgence c'est pour moi peuple à la rater merci urgence, beaucoup maître Nico merci conclusion CG Bato balandi biso ba comprendre que quand même makamu tolobaki ndeko niko maengele a se revenir en fait à revenir na souka pour nous rejoindre ah. Parce que aboya ki programme na souka quand même au se comporter comme un patriote en tout cas je vous salue pour ça na peso ma longo ya pone logo et tout ça là alors en ce qui nous concerne biso parti politique écolo position na biso ezali très clair. Tous ont soutenu le programme de gouvernance Oyo, mais tous ont quand même perplexe, n'est-ce pas, par rapport à la réalisation en haut. Parce que tous à la tête, tous se boire comme chevet dans la soupe, tous dit Maman Kamounyoso. Non, tous ont la réalisation en haut et tous ont insisté beaucoup plus sur la réduction, n'est-ce pas, des trains de vie, il y a une institution. Parce que l'institution, ils ont un bon ébélé, ils ont ça en sorte que. Bah frais de fonctionnement et on y a bon belé au détriment n'est-ce pas il y a ba réalisation aux alli concrète aux alli idoine il y a moment na zo benga ba kongo mani nyonso au lieu que za la téléspectateurs soyons beaucoup plus des acteurs veuillez rejoindre ce combat au il y a parti politique écolo les partis de ma génération les partis de ta génération les partis de notre génération aux alli bon on a venu Louvungi numéro 147 na commune ya Kinshasa bah déjà je salama le numéro ezali 097 58 79 565 Bandela. 097 58 79 565 boya beaucoup tabiso pour la dernière fois 097 58 79 565, même de Komayengele, il peut nous rejoindre oui, dans ce combat. Pour ceux qui ont mis ce comment on est normalement on a parti dans la moté. Et Sengeli, il y a mon co, après le numéro. Même de Komayengele, il peut nous rejoindre. Quand je parlais du parcours, il y a présent Chris Mukendi, c'était une manière pour démontrer que ce n'est pas un novice, n'est-ce pas, dans le monde politique. On a Référence Pacific Hotel. Merci beaucoup. Mon numéro plus voilà. 243, on a boum sur le téléphone, bah, tout le temps, on a boum sur le téléphone, plus 243, 84, 86, 177. Plus 243, 84, 86, 177. Siège social, il y a Congo normal, il y a en face, il y a marché Bayaka, dans l'immeuble Galerie Sam,
local 12 na Prince wana et si kan nzele bukani o bato ba yakababi wa kotumboka. Donc lubaki na mon frère nani vice na wana Edi yeli ba investir bino de bon de bois kata mabanga mituke le kaka en attendant ba bois ka goudron mais remise à reprise ils vont pas faire ça ba ki ende ko bois ka mabanga continuité à merci beaucoup. Allez, on va lire le message rapidement. Merci de minduki, merci de mituka ba otem mwana ya ndeko niko alobi que mboka eza na bitumba. Alors batu ba ko sala misala ndenge nini kolia to ko créer misala ndenge nini Jacob il faut attendre pour aye ba guerre elingi ko loba nini po azali ko condamner maître Nico anise na Bruxelles muta lobby boye tunela biso Jacob biloko ya service national o ya lobby ete kamaka wapi pe aye bisabiso wenze o tokoki kozwa soki kutu ya service national ezomona na te ebongo oyo bakosala nde komona na Robert muya ya alobaka na briefing ke gouvernement ezali kotinda bambongo na effort de guerre nani aloba na muya ya ketozali na guerre te Luleno, mboka ezokene mabe souffrance ekomi makasi mingi koleka. Yango ndeko oyo ayinosaka afanaka na planète nini? Gilbert. Ba jeune bazali oyo baza capable ya kokokisa vision ya mokonzi. Kasi IDPS na inosaka ezopesa bango occasion te. Roski, une guerre d'agression est un conflit armé qui n'est pas justifié par l'autodéfense et qui a pour objectif l'expansion territoriale et la domination de population. Yebisa Niko basalaka politique na TVT, il fallait bazala na ba député po babimisa ba talent na assemblée nationale. Bertin. On n'est pas de l'Union sacrée. Bisous tous à ma maman, parce que je suis ma tosine dans chaque union sacrée, mais tous soutenir de mon conseil à mon cas. Donc, ça c'est. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci. Na CG Jacob Mbangi, à Parti Politique Écolo. Merci. Merci, na président Congo Normal. Congo Normal. Na Kati Yalamuka. Oui. Maître Nico Maengele, merci. Mais avant, tout bon ami téléspectateur, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que Ndeko Zulu, ou l'année de la paix, Makama Bale, Pesela Bisombela, ou Yepa, il y a ministre Yassika, il y a sport Didier Boudimbo. A échoué na Ido Karabir, à qui na sport. Laissez-moi. Oyo, échoué. S'il te plaît. Oh, il y a la remise et reprise les lots. Na Kaboul, moi, na Kaboul, il y a Fifi. Il y a un problème qui se pose à la stade municipaux. Normalement, na tango ya matata pono, il y avait 4 stades municipaux. Bandal, Delvaux, Barumbu, Olsen, na Matete. Il y a 3. Trois ici là, Matete, Delvaux, na Olsen. Oh, ils ont la cabine dans la, na Barumbu. Mais, bah, 3 yango, oh, ici là, Batou Bazako utilisé à moté. Pourquoi on ne sait pas. Qui gère les ministères, les stades municipaux? Babina Rande Kosulu, Yébisa, ministre des Sports, Didier Boudimbou, a fumulana nous dossier Toeba. Qui gère les stades municipaux? Alors, et Zalaki, Mbongo, il y a l'État, Nde et Tonga, Yango. Mais si tu m'as dit que pour s'entraîner, il faut payer $300. Oui, oui. Pour nous bêter, pour $300. Au collègue, dans le stade municipal, ma tête est propre. Il y a Rosaranate, et fonctionnera dans le mais ici, là. Même un stade, il y a Olsen, même il y a Delvaux. Alors, qui gère le stade municipaux? Oui, au gouvernement du Misagi Mbongo, pour la Votonga, il y a un pour la Ninezo fonctionné. Il y a un bon bandeau, il serait mieux. Le tout nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbou, a se penché sur les dossiers. A tout le monde, nous avons na remise et reprise. Problème, il y a stade municipal. L'autre stade municipal, c'est le stade municipal, il y a Bandalungwa. Il y a travaux dans Bandalungwa, le stade municipal à Bandalungwa, et si la Ba moni sous ba tracteur à Zokotakuna pour Ebo Moussa Stade, je suis sûr et certain qu'il y aura une kermesse qui sera voilà. Organisée là-bas, dans la salle municipale, il y a Bandalungwa. C'est vraiment et comme un bloglio, on ne sait pas pourquoi Missalé à Stade municipal, il y a Bandalungwa, et si la thé. Je crois que le tout nouveau ministre à Sport peut d'abord, ce qui a sali remise et reprise, à Salam Batour à la Stade municipal, à Ben à ba service, à tout nananou. Qui gère le stade municipal, les trois là, Delvaux, Barumbu, na Matete. Et puis, ministre Boudimbou, tout nananou, ponanini, misala à stade municipal de Bandalungwa, et comment na souka, te. Et ça va tout benga, l'émission est tellement suivie, faut-il en rater, yango, mouronakou, talana, ministre sport, boube, pon de presse, na retournaï.
comme na kutane na ngute yango na beleli akoyoka pe ayebi nenga kosala. Ce sont des dossiers oyo il faut à traiter lokola so bana musala ministre Sika Didier Boudimbo. Amis téléspectateurs, terminé, je vous retrouve lobby vendredi pour un cinquième numéro. Il y a le meilleur championnat du monde, la Liga, Canal Presse. Bonne suite de programme sur Canal King. Après moi, Issa Issa Longo, King Matin.